d'accueillir Hervé Isambert, donc qui est directeur de recherche CNRS et qui dirige une équipe à l'Institut Curie sur l'inférence de réseaux causaux à partir de données multivariées. Donc c'est un sujet très important actuellement pour toutes les applications en biologie et bien au-delà, hein, puisque c'est lié à tout ce qui est apprentissage de l'explicabilité à partir de données. Et donc, il fait ça avec des méthodes à la fois issues de théories de l'information et des méthodes à base de contraintes. Donc, Hervé, je te laisse la main. Merci beaucoup, merci Loïc. Merci à tous d'être là. Alors attendez. Oui, alors dans le chat, je crois que Loïc a demandé s'il y avait des personnes qui souhaitaient le séminaire en anglais. Donc c'est un peu comme vous le souhaitez. C'est peut-être le moment de le dire si. So if anyone of you would prefer in English, please type a few words in the chat so that I can switch or remain in English. Or if you prefer, I mean, if it's fine for all of you, I can switch back to French. Let me share my screen first. Okay. Pas de. So everyone is fine with the French then? Okay. Visiblement, ça oui. Apparemment, ok. Bon, eh ben, on va le faire en français, il n'y a pas de souci. Donc, bah, merci encore hein, pour l'invitation. Donc, effectivement, dans mon titre présenté par Loïc, hein, je vais vous présenter les méthodes qu'on a développées dans l'équipe pour faire de l'inférence des réseaux causaux ou non causaux. Et c'est surtout appliqué sur les données biologiques et cliniques, mais effectivement, comme le disait justement Loïc, en principe, ça peut être appliqué à plein d'autres données. Donc moi, je vous montrerai des applications plutôt cliniques et biologiques, mais un des espoirs de ce séminaire, c'est peut-être que l'un d'entre vous me dira, mais moi, j'ai des données qui n'ont strictement rien à voir, ou éventuellement aussi d'intérêt biologique et clinique, mais n'importe quel type de données. Et je pense qu'on serait, je serais très intéressé de regarder aussi d'autres types de données, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à me contacter ensuite. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'une introduction pour cette audience, mais juste pour un rappel, donc, reconstruire des réseaux à partir de données, l'idée, c'est de prendre des datas qui vont être en gros sous forme de grands tableaux, avec en colonne des variables d'intérêt, des observables, et puis en ligne des observations, des échantillons, indépendants ou pas, on y reviendra, d'observations. Alors, dans l'exemple là que je montre, il n'y a que des variables continues, comme vous voyez, avec aucune donnée manquante. Mais bon, en principe, les méthodes qu'on développe, elles peuvent, vous allez le voir, s'appliquer à des données beaucoup plus hétérogènes, avec des mélanges de données continues et catégorielles ou discrètes. Et puis aussi avoir des données manquantes. Alors, il ne faut pas trop de données manquantes. Hein, quand il y a 99% des données qui sont manquantes, vous doutez bien que ça ne marche plus très bien. Mais bon, s'il y a 20% de données manquantes sur certaines variables, on peut tout à fait essayer de reconstruire les réseaux. Et donc, le but du jeu, comme vous le savez sans doute, c'est à partir de ce type de données, reconstruire des réseaux via des algorithmes. Et ces réseaux, l'idée, c'est mettre en exergue d'interaction directe entre certaines de ces variables. Et en principe, de pouvoir déduire du graphe les relations aussi indirectes en suivant des chemins. Donc, par exemple, on peut imaginer ici que PMB et CCHL vont être corrélés. Donc, si on prend ces deux variables dans notre tableau, on devrait trouver
une certaine corrélation entre ces variables, même si à l'issue de l'apprentissage du réseau, on s'aperçoit que ce n'est pas un lien direct qui les réunit, mais plutôt un chemin indirect entre elles. Alors, la plupart des méthodes qui font ces reconstructions de réseau, elles doivent en fait a priori choisir un type de graphe qu'elles reconstruisent, et en général, c'est soit typiquement des réseaux complètement orienté comme on le voit ici dans cet exemple, des réseaux bayésiens typiquement, ou à l'inverse des réseaux non orientés où il n'y a pas d'asymétrie de relation entre les variables. Alors évidemment, ni l'une ni l'autre de ces approches permet vraiment de faire de l'apprentissage de causalité, parce qu'on suppose qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. Mais il y a quand même certaines méthodes qui permettent d'extraire les signatures de causalité dans des données purement observationnelles, et c'est ce genre de méthode sur lesquelles on a travaillé. Et donc, avant de voir les détails, un peu plus de détails de ces méthodes, juste un premier exemple. Donc ici, en fait, deux exemples. Vous voyez que les algorithmes qu'on a pu développer, donc MIC, que je vous décrirai un peu plus en détail ensuite, permet de reconstruire sans a priori, soit des réseaux, vous voyez, essentiellement dirigés, ici c'est à partir de données d'expression de gènes dans des cellules uniques, et effectivement, on attend bien que ce soit des réseaux dirigés, parce qu'en gros, vous avez certains gènes qui vont contrôler l'expression d'autres gènes, donc c'est vraiment des relations de cause à effet, et l'algorithme que vous voyez est capable de découvrir ça. À l'inverse, le deuxième exemple sur la droite ici, ce sont des données assez différentes où en fait on regarde les mutations coordonnées entre différentes positions dans des protéines. Donc là, les data, c'est beaucoup de protéines homologues, donc qui se ressemblent, qui ont généralement des fonctions proches, qu'on va trouver dans différents organismes. Et quand on aligne leur séquence, on voit qu'il y a des mutations coordonnées entre différentes positions de la structure. Et ça, c'est en fait une signature souvent des contacts dans la structure tridimensionnelle de la protéine. Et donc ça, l'algo est capable d'apprendre ce genre de contact. Et dans ce cas, comme vous voyez, en fait, il y a essentiellement pas de flèches sur ces arêtes parce qu'effectivement, ce sont des contacts qui sont en gros symétriques, des contacts physiques entre différentes positions. Et l'algorithme est capable, effectivement, dans ces cas-là, de montrer qu'il n'y a essentiellement pas de causalité dans ces interactions. Alors, pour apprendre cette causalité, notre approche, en fait, elle va calculer des probabilités d'orientation de part et d'autre de chacune de ces flèches. Donc, quand il y a un lien causal, on va avoir la probabilité d'avoir non seulement une pointe de flèche d'un côté, mais aussi l'absence de pointe de flèche de l'autre côté. Et on peut avoir toutes les combinaisons possibles, et en particulier, vous pouvez avoir deux pointes de flèche, et ça vous dit qu'en fait, il y a probablement une observable, enfin une variable qui est non observée, qui serait une cause commune entre ces deux variables observées. Et donc, c'est une cause commune latente qui, en gros, est quelque part au milieu de la flèche, mais pas observée dans le dataset. Alors, les deux exemples là, que je viens de montrer, c'est évidemment des exemples un peu extrêmes. On a essentiellement tout orienté ou tout non orienté. Bon, dans pas mal de datasets, c'est plus varié que ça. Et là, je vous montre un premier exemple de dataset clinique cette fois-ci. Alors ici, les données, elles sont assez variées. Donc, il y a des données continues et des données discrètes. Donc, les données discrètes, ça représente ces variables en carré et données continues en rond. Et il s'agit de essentiellement de dossiers médicaux de patients qui consultent ici à la Salpêtrière pour des suspicions de
début ou d'avancée de maladies neurodégénératives. Évidemment, le neurologue, lui, son job, c'est de poser le bon diagnostic. Et vous voyez que les nœuds diagnostiques ici en Popol, il y en a quand même quelques-uns avec différentes variantes pour, par exemple, Parkinson, différentes variantes aussi pour Alzheimer. Et puis d'autres alternatives, comme par exemple des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent être en fait assez mineurs, donc sont passés inaperçus, mais qui entraînent malgré tout des conséquences qui se rapprochent hein, des défauts de mémoire, par exemple, qu'on va retrouver dans les patients atteints d'Alzheimer, ou alors ça peut être aussi aussi des problèmes psychiatriques de certains patients. Alors bon, là, comme vous voyez, quand on n'est pas spécialiste comme nous, bon, il y a des arêtes un peu partout. Ça ne parle pas forcément énormément, ce genre de résultat, mais ce qu'on s'est aperçu quand même assez rapidement en travaillant, en collaborant avec des cliniciens, c'est que ces représentations graphiques sont extrêmement informatives et séduisantes pour nos collaborateurs. Qui connaissent vraiment très très bien ces data, hein, donc en gros ils connaissent pratiquement chaque patient individuellement. Finalement, les données collectées sur des dizaines d'années restent quand même pour eux des grands tableaux Excel qui sont pas forcément très facilement interprétables et visualisables. Et donc le simple fait de leur montrer une visualisation globale, même si la plupart des arêtes ne les étonnent pas, c'est en fait intéressant de leur point de vue. Alors malgré tout, il y a quand même des arêtes nouvelles qui étaient évidemment déjà dans les datas, mais qui n'avaient pas vu jusqu'alors. Et ici, on a un bon exemple dans ce réseau d'une arête assez forte entre deux propriétés un peu technique qui concerne en fait des images, des scans du cerveau qui quantifient différentes choses. Donc l'échelle Fazekas, ça regarde en fait, ça quantifie ce qu'on appelle ces white matter hyperintensity qui sont en fait les conséquences de micro-saignements dans le cerveau. Donc c'est relié effectivement à ces accidents vasculaires cérébraux. Et l'autre échelle, c'est l'échelle Shelton, qui, elle, en gros, quantifie l'atrophie de l'hippocampe. Et donc, en fait, ces deux grandeurs n'ont pas, a priori, beaucoup de raisons d'être connectées. Et en fait, elles le sont fortement. Et ça, c'était quand même assez nouveau pour nos collaborateurs qui n'avaient jamais repérer ce lien qui est en plus assez intéressant parce qu'il permettrait d'expliquer en partie en tout cas c'est une piste pour essayer de comprendre comment des micro-saignements peuvent conduire à des problèmes de mémoire ici liés à l'atrophie de l'hippocampe. Alors quand on a découvert ça en fait au même moment, plus ou moins il y avait ce papier qui reportait exactement la même chose. Donc, en fait, je pense que c'est quand même une bonne validation de genre d'approche de ces graphes. Alors, avant d'aller plus loin et de présenter plus les aspects méthodologiques, malgré tout, comme je pense un certain nombre d'entre vous doivent se dire, c'est quand même pas évident de déduire de la causalité à partir de données purement d'observation, de corrélation dans ces données-là. Effectivement, un des exemples que je préfère que je présente en général sont ces corrélations entre deux points qui effectivement n'indiquent pas grand-chose sur les relations de cause entre ces variables. Et mon exemple préféré, c'est entre un baromètre et le temps qu'il fait. Bon, bien que le baromètre indique avant même quel temps il fera, personne ne pense vraiment que le baromètre est la cause du temps. Donc, dans un exemple comme ça, on voit bien que les corrélations à deux points n'impliquent pas des relations de cause à effet. Et en l'occurrence, ici,
L'origine de cette corrélation, ben c'est en fait une cause commune, plus ou moins cachée, qui serait par exemple une dépression atmosphérique à laquelle le baromètre répond plus rapidement que le temps qui va mettre un certain temps à arriver. Alors, la surprise dans le domaine, c'est qu'effectivement, quand on va au-delà de deux points, ben, il y a quand même des traces de causalité dans les données purement d'observation. C'est ces traces-là qu'on va utiliser pour essayer d'apprendre ces relations de cause à effet entre variables. Alors ça remonte au milieu du siècle dernier, en particulier par les idées de Hans Reichenbach, qui a proposé ce principe de cause commune, qui est assez intuitif, qui se dit quand on a deux observables I1, I2 qui sont fortement corrélés sans en avoir vraiment raison a priori, intuitivement, on déduit, et on l'utilise très couramment, je pense, dans la vie de tous les jours, on déduit qu'il existe forcément ou très vraisemblablement une cause commune qui explique cette corrélation entre les deux. Alors, malgré tout, cette approche-là, en fait, n'est pas très opérationnelle pour déduire la causalité, parce que on peut tout à fait inverser le sens de ces flèches. Et les corrélations entre ces trois variables ne seront pas différentes selon ces différents graphes sous-jacents. Donc évidemment, ça c'est pas très informatif sur le vrai graphe sous-jacent. Le seul graphe qui va effectivement contenir ces signatures de causalité, c'est le graphe où les deux flèches pointent vers la variable du milieu. Donc, ce qu'on pourrait appeler le principe de cause indépendante, ou ce qu'il faudrait dire, c'est de cause putative indépendante. Et ça remonte plutôt aux années 80, donc finalement assez récemment, quand on y pense, notamment avec les travaux de Pearl. Donc là, l'idée, c'est quand on a trois variables, dont deux sont indépendantes l'une de l'autre, donc C1 et C2, apparaissent comme indépendantes, mais toutes les deux clairement associées à la variable du milieu E, ben, en fait, il n'y a pas vraiment d'autre possibilité que E soit quelque part une conséquence de C1 et C2, qui sont, elles, des causes indépendantes. Alors, ce n'est pas tout à fait, ce que je viens de dire, ce n'est pas tout à fait correct. E n'est pas forcément une conséquence de C1 et de C2, parce qu'en fait, il peut encore une fois avoir une cause latente cachée entre C1 et E ou C2 et E. Donc, la seule chose vraiment que ce graphe nous apprend, cette corrélation plutôt entre ces trois points nous apprend, c'est que E n'est pas la cause ni de C1 ni de C2. Donc, c'est un peu par défaut, on apprend que E n'est pas la cause, et on va représenter ça par ces flèches qui se rencontrent en E. Alors, quand on peut comme ça définir des graphes, des classes de graphes très riches, hein, qui peuvent contenir trois types d'arêtes, des arêtes non orientées, des arêtes simplement orientées, puis des arêtes biorientées. Et donc les arêtes biorientées, on les trouve quand finalement on a deux V-structures, donc V-structures c'est les structures qu'on vient de voir à l'instant, quand on a deux V-structures qui partagent une arête entre elles, ben, c'est la trace que cette arête est équivalente à une cause commune entre les deux. Alors depuis les années la fin des années 80, début des années 90, il y a des algorithmes qui ont été proposés pour apprendre cette classe de graphes très vaste, qui contient évidemment comme sous-classe les graphes bayésiens, par exemple, ou les graphes de Markov non orientés. Et ce sont des méthodes qu'on appelle basées sur les contraintes. Donc l'idée, c'est on part d'un graphe complet. On va commencer par enlever toutes les arêtes
qui peuvent être enlevées, en cherchant des indépendances conditionnelles. Et donc, par exemple, ici, on va trouver que l'arête entre x et y peut être retirée en conditionnant sur la variable w. Et donc, on va comme ça enlever toutes les arêtes qu'on peut enlever. Et puis, à un moment, on a enlevé tout ce qu'on pouvait enlever. Et donc, on a ce qu'on appelle un squelette. Donc, c'est un graphe non orienté. Et on va ensuite chercher, justement, à identifier ces V-structures qu'on a introduites juste avant, qui portent la signature de la causalité dans ces données d'observation. Et donc, on va, comme ça, avoir ce genre d'orientation 2 à 2. Et puis après, il y a une troisième étape, qu'on appelle propagation, qui permet en fait de propager certaines de ces orientations de V-structure. Alors, le souci, c'est que donc c'est ces méthodes, depuis les années 90 et 2000, il y a eu quelques améliorations, mais finalement assez peu. Et bien que sur le papier, ce sont de très très belles méthodes, donc on peut prouver des théorèmes sur l'exactitude des reconstructions dans les versions Oracle. Donc quand on a une infinité de données, ce sont des méthodes qui permettent vraiment d'identifier des graphes, en tout cas des classes d'équivalence de graphes sous-jacents. Mais malheureusement, en fait, dans la pratique, quand on essaye d'appliquer ça sur des vraies données, ce sont des méthodes qui ne marchent en fait pas très bien pour différentes raisons. Donc, la première raison, c'est comme vous voyez, le graphe final, en fait, généralement, il est relativement sparse, donc il y a assez, peu de liens, on peut l'espérer. Mais en fait, on part d'un graphe complet, donc ça veut dire que la plupart des arêtes, il va falloir les retirer. Donc, il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver au graphe final. Et à chacune de ces étapes, on a en fait des risques de faire des erreurs. Et les erreurs, finalement, c'est assez facile à faire. Trouver des indépendances conditionnelles erronées, ce n'est pas très compliqué. À chaque fois qu'on conditionne sur une variable, c'est en fait un peu comme saucissonner notre dataset en dessous des datasets et de regarder les indépendances sur ces différents sous-datasets. Donc, en saucissonnant suffisamment votre jeu de données, en conditionnant sur une, deux, trois variables du graphe, vous allez finalement assez facilement trouver du bruit que vous pouvez facilement identifier comme des indépendances conditionnelles, mais en fait, ce sont des indépendances fortuites, simplement liées au découpage de vos données. Ce problème-là est d'autant plus sérieux que vous faites tôt dans le graphe, parce que si vous enlevez des arêtes, comme on a dit, la plupart des arêtes, il va falloir les retirer, mais si vous enlevez une arête que vous auriez dû garder, en général, ça va vous conduire à un effet de boule de neige avec d'autres erreurs qui seront de conserver des arêtes qu'il aurait fallu retirer. Avec un peu un effet boule de neige, les erreurs du début vont entraîner des centaines d'erreurs par la suite. Donc ça c'est un peu l'ombre au tableau de ces méthodes-là, c'est que dans la pratique, elles ne sont pas très, très robustes à la taille finie des données qu'on regarde. Donc c'est cet aspect-là en fait qu'on a dans l'équipe essayé d'améliorer, et rendre ces méthodes en fait robustes. Sur le papier, encore une fois, elles sont vraiment extrêmement intéressantes. Et pour les rendre robustes, on les a couplées à des idées issues de la théorie de l'information. Alors, pour ce séminaire, je vous donnerai quelques idées rapides. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée centrale, je pense, c'est comme on l'a dit, il y a ce problème d'indépendance conditionnelle fortuite, erronée. Et donc ça, toutes les méthodes vont avoir le même souci, en principe.
Et donc, nous, notre idée, c'est de se dire, on ne va pas tester directement si les combinaisons de variables donnent des indépendances conditionnelles, mais on va plutôt essayer de trouver où est l'information. Donc, plutôt collecter des contributeurs qui sont clairement au-dessus du niveau du bruit et en fait soustraire les contributions de ces contributeurs à chacune des informations entre paire de variables dans le graphe. Donc, si je prends la variable x, y, il y a une certaine information entre ces deux variables, et je veux en fait soustraire ce qui correspond à la contribution d'un contributeur significatif. Donc, ça va être, comme vous voyez, une information à 3 points maintenant, qui, quand elle est positive, correspond à la contribution de A1 à l'information mutuelle entre x et y. Et puis, vous pouvez itérer ce processus. La résultante, c'est en fait précisément une information mutuelle conditionnée sur l'ensemble des variables. Donc, au bout d'un moment, vous pouvez vous dire qu'effectivement, vous avez réussi à collecter des contributeurs significatifs. Donc, c'est ça qui est important. Chacun, normalement, est significatif. Il vous donne une indépendance conditionnelle au final. Donc ça, c'est effectivement une arête on peut retirer avec un peu plus de confiance que si on avait juste testé l'indépendance conditionnelle. Voilà. Donc dans la pratique, on va comparer cette information mutuelle conditionnelle relativement petite à un terme lié à la taille finie des data, qui est typiquement de l'ordre de log n sur n, même si ce n'est pas exactement ce critère-là qu'on utilise dans la pratique. Et cette information mutuelle conditionnelle corrigée, disons, par la taille finie des données, c'est aussi lié à la probabilité de conserver les arêtes. Donc, on a en fait des scores sur les différentes arêtes. On va pouvoir utiliser ces scores. Donc l'algorithme en deux mots, finalement, il va avoir cette tête-là. Donc c'est en gros l'algorithme classique basé sur les contraintes qu'on vient de décrire, mais assis sur des scores liés à ces informations multivariées. On va d'abord commencer à trouver ces informations, ces indépendances conditionnelles, mais basé sur des contributeurs significatifs, donc c'est ça qui est important, pour retirer les liens. Ensuite, on va orienter DB structure, et cette fois-ci, on va utiliser en fait le fait que les informations multivariées à 3 points conditionnées éventuellement sur d'autres variables, elles peuvent être positives ou négatives. Et quand elles sont négatives, ça veut dire qu'effectivement, ici, Z n'est pas un contributeur de l'arête, enfin de l'association entre X et Y. Parce qu'on avait trouvé qu'il n'y avait que W en fait. Et donc, comme Z ne contribue pas à l'information entre X et Y, il se retrouve à la pointe d'une V-structure. Et ça, on peut le quantifier, quantifier notre confiance dans ce résultat en fonction de l'amplitude et du signe de l'information à 3 points ici. Et puis, on peut aussi donc utiliser. Quand on a déjà une flèche qui pointe vers Z, entre X, Z et V, par exemple, mais qu'on voit que l'information à 3 points entre ces trois variables est clairement positive, en fait, ça nous dit que Z, il n'y a pas de V structure qui pointe vers Z entre X, Z et V, sinon ça devrait être négatif. Donc, s'il n'y a pas de structure, en fait, on apprend que ici, on a bien un pied et non pas une pointe de flèche, on a un pied d'arête. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir identifier les probabilités de pointe et de pied de flèche. Voilà, donc rapidement juste quelques benchmarks pour vous montrer qu'effectivement ça marche clairement mieux que les méthodes traditionnelles qui ont
basé sur les contraintes sans score. Donc ici, vous avez trois exemples de réseaux assez différents, du plus facile à gauche au plus compliqué à droite, où là, on a plus de 100 000 paramètres par rapport aux 500 paramètres dans le premier exemple. Et donc, vous voyez que la méthode MIC, ici en couleur rouge-jaune, va atteindre des F-score. Donc, le F-score, c'est la qualité du réseau. Quand on a un F-score de 1, ça veut dire qu'on a parfaitement reconstruit notre réseau. Donc là, on n'est pas tout à fait 1, mais enfin, on est quand même assez élevé. Et vous voyez qu'on obtient ces bons résultats avec 500 échantillons, plus ou moins, 500 à 1000 échantillons. Alors, les méthodes classiques vont finir par avoir des résultats essentiellement aussi bons, mais il leur faudra 10 à 100 fois plus d'échantillons pour ce cas simple, comme on le voit ici. J'ai oublié de dire les dégradés de couleurs, ça correspond en fait à la fraction de variables latentes dans ce réseau. Donc, ça peut être jusqu'à 20% de variables latentes. Et donc, comme on voit, bon, ça décroît. En fait, c'est pas, ça permet quand même de reconstruire des réseaux incluant ces variables latentes. Par contre, comme on voit pour les réseaux plus difficiles, voire très difficiles comme le dernier, les méthodes traditionnelles, elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas d'autant plus qu'elles ont un problème de temps de calcul qui explose beaucoup plus rapidement. Alors nous, ce n'est pas parfait comme vous le voyez. On a des F-scores qui sont autour de 0,5-0,6. Mais vu le nombre de paramètres, l'espoir, c'est qu'en regardant plus d'échantillons, on finirait par obtenir ces réseaux. Et c'est effectivement le cas. Je vous montrerai des exemples ensuite. Alors, un point quand même important ici, ce que vous voyez, c'est que il y a entre le squelette, donc le squelette, c'est en pointillé, donc c'est le F-score du squelette et le F-score de le réseau orienté, vous voyez qu'il y a quand même une chute significative. Donc, quand on veut prédire les orientations, ça se passe tout à la fin de l'algo, nos scores, ils diminuent. Alors, dernièrement, on s'est aperçu qu'en fait, on pouvait améliorer nos méthodes. Donc, ça, c'est assez récent, publié ici. Et ici, ce qu'on voit, c'est que on peut avoir, quand on s'intéresse à la partie vraiment orientée du réseau, cette partie orientée, en changeant assez peu nos scores, on peut avoir une très très bonne précision sur les prédictions. Et donc ça, c'est très important parce qu'en fait, comme vous avez compris, ces méthodes, elles permettent de trouver certaines orientations, mais pas toutes. On sait qu'il y a des orientations qu'on ne peut pas résoudre à partir des données d'observation. Et donc, c'est évidemment très important d'avoir la meilleure précision possible sur les prédictions pour qu'au moins les arêtes orientées qu'on prédise, on ait une grande confiance dedans. Et donc, c'est ce que permet vraiment d'atteindre ces score très légèrement modifié qu'on utilise maintenant, avec, comme vous voyez, notamment sur les variables discrètes, une précision qui est même meilleure que sur le squelette. Donc, on a plus de confiance sur l'orientation des arêtes que les arêtes elles-mêmes, en quelque sorte. Et sur les variables continues, c'est moins frappant, mais on a quand même en gros, essentiellement pas de perte de précision entre le squelette et les arêtes. Et donc ça nous a permis de regarder en fait des données sur des datasets beaucoup plus importants, ici, importants en taille, pardon. Ici, il s'agit d'un dataset sur le cancer du sein, qui contient 400 000 patients. Donc, on est vraiment sur un autre ordre de grandeur. Donc, comme vous voyez, c'est un réseau qui devient évidemment plus dense parce qu'il y a beaucoup d'informations entre ces variables. Et donc, quand on a... Donc, l'intérêt de ces données cliniques, donc là, c'est des données cliniques, encore une fois, c'est la base CIR américaine qui contient pratiquement un tiers
toutes les données sur le cancer des Américains. Ici, on regarde la partie cancer du sang. Et donc, ce qu'on a vraiment regardé, c'est à quel point nos prédictions de causalité semblent correctes ou pas. C'est l'intérêt, c'est un des avantages de regarder ces données cliniques, c'est qu'on a quand même une bonne intuition sur ce qui est clairement correct, plausible ou clairement faux. En fait, on s'est aperçu qu'on a effectivement des résultats qui sont vraiment encourageants, avec plus de 90% des prédictions qui sont clairement correctes et pratiquement 100%, enfin pas tout à fait 100%, mais des prédictions plausibles. Il y a extrêmement peu d'erreurs manifestes. Quand on a des tests aussi larges, on peut aussi regarder les aspects de robustesse sur des sous-échantillonnages. Donc ici, on a fait trois sous-échantillonnages de 100 000 patients, et on s'aperçoit que, ben, en gros, il y a une grande proportion des arêtes de ces trois réseaux correspondant à ces trois sous-échantillonnages indépendants qui partagent un grand nombre d'arêtes. Et toutes ces arêtes, pratiquement 99% de ces arêtes, on les retrouve aussi dans le graphe du dataset complet. De même, sur les orientations, on s'aperçoit que de l'ordre de 90% des orientations sont compatibles entre les différents sous-échantillonnages et aussi avec le réseau complet. Donc on a regardé en particulier, comme je le disais, les relations vraiment de cause à effet. Et donc, pour ceci, va falloir maintenant distinguer les types de relations causales entre variables. Donc, comme je vous l'ai dit, les V-structures, ça ne prédit pas forcément une vraie relation de cause à effet, parce que, en gros, ça vous informe simplement sur le côté pointe de flèche, mais pas sur le côté pied de flèche. Donc, en général, une V-structure, ça vous donne ce qu'on appelle une cause putative, c'est-à-dire que ça peut être soit une vraie cause, une vraie relation causale, soit l'effet d'une variable latente cachée. Donc, en général, c'est pas tout à fait facile à interpréter. Mais maintenant qu'on sait à peu près distinguer ces deux types de relations causales vraies ou liées à des variables latentes, on a pu quantifier ça. Et donc, comme je vous disais, la plupart de ces relations, elles sont clairement correctes ou plausibles. Enfin, il y en a quand même certaines qui sont un petit peu étonnantes ou contre-intuitives et qu'on a évidemment regardé, comme par exemple ici, que la chirurgie serait en fait la cause du type histologique, donc en fait du type de tumeur, de cellules, hein, du type de cellules cancéreuses dans le sein. Donc ça, évidemment, c'est assez contre-intuitif, jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'en fait, le type histologique, la plupart du temps, il est en fait raffiné ou précisé par le chirurgien après la chirurgie. Donc effectivement, le type histologique, quelque part, il est causé par le fait d'avoir fait une chirurgie. Quand on n'a pas fait de chirurgie, le type histologique, il est typiquement beaucoup plus générique, avec sans distinction ou sans combinaison de type cellulaire particulier. Donc, c'est en fait une prédiction qui est tout à fait plausible et attendue, même si elle semble un peu contre-intuitive a priori. Alors, il y a aussi des relations qui sont intéressantes, qui sont manquantes. Donc, par exemple, aux États-Unis, on sait, il y a effectivement un fort biais entre le type d'assurance du patient et en fait la survie du patient. Et malgré tout, nous, l'assurance est ici et on n'a pas de lien avec aucune des variables de survie du patient. Il y a quatre variables de survie qu'on voit ici. Il n'y a pas de lien direct
avec le type d'assurance. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on ce lien, donc, on a retiré. On l'a retiré en pouvant l'expliquer essentiellement par les différents traitements. Donc, effectivement, avoir ou non une assurance n'a pas vraiment d'influence sur la survie si vous ne faites pas les traitements ou si vous ne pouvez pas faire les traitements parce que vous êtes éloigné d'un centre. Donc ça, ce sont des résultats qui sont aussi assez cohérents. Alors, les relations causales attendues, ben, on les retrouve. Hein. Le fait que les métastases soient responsables du décès par cancer du sein, c'est malheureusement bien connu. Le fait que l'âge soit responsable des décès autres que le cancer du sein, c'est effectivement aussi attendu. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart des relations elles sont tout à fait attendues. Même si on en a encore trouvé quelques-unes plus étonnantes. Et celle-ci, c'est le fait que le statut vital, donc le fait que la patiente soit décédée ou pas, cause le fait qu'elle ait reçu une radiothérapie ou pas. Donc, on s'attendrait plutôt à l'effet inverse. On espérait que la radiothérapie permet d'augmenter la survie des patients. En fait, la relation causale, on la trouve dans l'autre sens. Donc, c'est un petit peu étonnant. Ceci dit, quand on regarde de plus près les datas, ben, on finit par se convaincre que c'est probablement pas tout à fait absurde. Parce qu'effectivement, la radiothérapie, ça va se passer typiquement 3 à 6, voire 7 mois après le diagnostic. Et comme vous voyez, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de patients, donc ceux qui n'ont pas eu de radiothérapie, qui en fait décèdent assez tôt, avant 6 mois. Et donc, quelque part, effectivement, le statut vital, le fait que vous êtes encore en vie ou pas après 6 mois, ben, ça peut conditionner le fait que vous ayez eu ou pas, reçu ou pas une radiothérapie. Donc, il y a un certain nombre de patients qui sont décédés trop tôt, qui, s'ils avaient vécu plus longtemps, auraient probablement reçu ces radiothérapies. Et enfin, sur cet exemple, je ne vais pas être trop long, je crois que j'ai été un petit peu long, mais un peu plus vite sur la fin. On a aussi regardé les variables socio-économiques. Donc ici, on a 4 variables socio-économiques qui sont en gros liées aux revenus et au coût de la vie dans le county où vivent les patients. Toutes ces variables sont fortement corrélées. Donc, comme vous voyez, le revenu et le coût de la vie dans le county, ben, c'est fortement relié, mais il y a quand même malgré tout une dispersion pas complètement négligeable. Et ça se traduit dans le graphe par exemple des liens, donc des liens de couleurs différentes entre la radiothérapie et le coût de la vie ou le revenu de la famille. En gros, plus la famille est riche, plus elle a une chance de faire la radiothérapie, ce qui est un peu attendu. Par contre, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand le coût de la vie est vraiment élevé, il y a moins de chances de faire de radiothérapie. Alors, ce genre de relation un peu étonnante, et on a aussi la même relation avec insurance ici. Donc, en bleu, c'est des associations négatives, en rouge, c'est des associations positives. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces relations-là qu'on observe, essentiellement, c'est lié à des fortes disparités entre les counties, et notamment avec ce county-là, qui est le county de Los Angeles, qui correspond à peu près à 10% du dataset. Donc, il y a 39 000 patients. Et vous voyez qu'effectivement, ça correspond à des revenus médians plus bas que la moyenne, bien que le coût de la vie dans le county soit plus élevé que la moyenne. Donc ça, ça crée évidemment des coûts, enfin des tensions sur la gestion de la maladie pour ces familles. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que effectivement, 30% des patients dans le county de Los Angeles ont suivi de la radiothérapie au lieu de par rapport à 52% dans le reste des États-Unis.
Et là, on s'aperçoit aussi qu'il y a 7% des patients de Los Angeles qui ont même renoncé au traitement. Et donc, c'est ce pic ici, après quelques mois, contre 1,5% des patients dans le reste des US. Donc, ces graphes sont quand même assez informatifs sur non seulement les tendances, mais aussi les disparités entre les différentes régions. Alors, donc là, je suis en train un peu de dépasser mon temps. Donc, je peux soit m'arrêter là, ou soit vous présenter peut-être brièvement quelques résultats sur l'extension aux séries temporelles de ces analyses. Ouais, je pense que tu peux prendre 2-3 minutes, toi, Ouais, bien sûr. pour parler des aspects temporels. Ouais. Bon, je vais essayer de faire un peu plus rapidement. J'ai essayé de ne pas être trop rapide dans la première partie. Là, je vais être un peu plus rapide. Donc, l'idée, c'est jusqu'à maintenant, on a regardé, par exemple, les données cliniques, comme vous avez vu, ou les données d'expression dans des cellules uniques. Chaque échantillon est indépendant l'un de l'autre. C'est des patients différents ou des cellules différentes. Et donc, dans ce genre d'asset, il n'y a pas la notion de temps, de suivi. Ni de la cellule, ni des patients. Mais évidemment, il y a des assets qui sont très intéressants où, en principe, on peut suivre l'évolution des variables au cours du temps. Et dans ces cas-là, évidemment, ça serait important d'essayer d'utiliser cette information supplémentaire sur le temps pour essayer d'améliorer nos prédictions. Alors, bon, là, c'est l'exemple, je passais un peu vite l'exemple du prix du smartphone. Évidemment, ça va dépendre du prix des batteries, du prix des écrans, qui même dépendent des ingrédients pour ces différents composants. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir essayer d'apprendre ces graphes-là, qu'on n'est pas capable d'apprendre quand on n'a pas le temps, et voir des graphes un peu plus complets avec des feedbacks possibles dans ce cours des données. Alors, les données temporelles, la causalité temporelle, ça c'est un domaine aussi assez ancien, donc notamment initié par Granger, plutôt sur les aspects économiques. Donc, l'idée, c'est comment repérer qu'une variable et possiblement la cause d'une autre en regardant un peu les variations shiftées dans le temps entre ces deux variables. Donc, Granger, c'était à base de régression linéaire. Il y a des versions plus modernes qui autorisent les données non linéaires, et c'est basé effectivement aussi sur l'information mutuelle, qu'on appelle transfer entropy, mais c'est essentiellement de l'information mutuelle conditionnée, comme vous voyez. Donc, ça, évidemment, ça me dit que ça nous interpelle sur le fait que ces causalités temporelles, on imagine, doivent quand même avoir un lien avec les causalités purement statistiques dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de comprendre. Et donc, ce qu'on voit en particulier, c'est donc ce qu'on donc l'idée, c'est d'appliquer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur un graphe déplié dans le temps. Donc, l'idée, c'est que chaque variable y, x, y, etc., va avoir plusieurs nœuds dans le temps, shiftés dans le temps, avec le temps qui va de gauche à droite. Et donc, on va essayer de reconstruire ces graphes comme s'il n'y avait pas de entre ces différentes variables, mais évidemment avec l'hypothèse supplémentaire que les variables du présent ne peuvent pas être la cause des variables du passé. Donc le temps nous informe quand même, ça nous donne un postulat sur les effets causaux. Donc on a un prior sur le type de graphe. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait ces relations d'indépendance conditionnelle liées à la causalité temporelle, bah effectivement, elles impliquent des V-structures. Hein, donc, il y a effectivement bien un lien entre les deux types de causalité, mais ce n'est pas en fait une équivalence, comme vous voyez. Donc, on peut tout à fait avoir des V-structures qui n'impliquent pas l'indépendance, enfin, qui n'impliquent pas la temporalité, la causalité temporelle.
En quelque sorte, la causalité temporelle, c'est trop restrictif comme condition. Bon, je vais passer les théorèmes. On peut aussi s'apercevoir qu'il y a, il y a des relations entre regarder les données temporelles avec leurs composantes de temps et regarder les mêmes données en oubliant le temps. Effectivement, on va reconstruire des graphes hein, différents où on peut par exemple avoir des V-structures dans le réseau temporel, mais qui disparaissent dans le réseau instantané, précisément parce qu'on a les, on a les effets lagués dans le temps qui sont projetés au temps présent. Alors par contre, on peut montrer qu'il y a quand même des relations, encore une fois, donc si vous avez de la causalité dans le graphe contemporain, bah vous avez aussi forcément de la causalité dans le graphe lagué. Et donc ça, on a essayé d'appliquer ça à des données, donc ici, ce sont des données d'imagerie en collaboration avec une équipe à l'Institut Curie, les chercheurs Maria Calaparini et un labo du Genio Martinelli à Rome. Donc là, ce sont des systèmes en fait reconstitués ex vivo de tumeurs. Donc l'idée, c'est qu'on va mélanger des types cellulaires différents. Ce qu'on sait, c'est que dans le cancer, les cellules cancéreuses seules, généralement, ne peuvent pas survivre. Donc il y a tout un environnement d'autres types de cellules autour qui permettent à la tumeur de se développer en fait. Donc c'est vraiment un problème de micro-environnement, la tumeur. C'est pas facile à étudier vraiment in vivo, même si il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc il y a toute une branche d'études qui vise à reconstituer des systèmes bien contrôlés, qu'on appelle ex vivo, dans des systèmes microfluidiques comme ceci. Donc ici dans cet exemple, il y a quatre types cellulaires, les cellules cancéreuses, les cellules endothéliales, des fibroblastes associés au cancer et des cellules immunitaires. Et donc l'idée, c'est de suivre, segmenter ces images, de suivre les cellules cancéreuses, regarder quand elles se divisent, quand elles meurent, et identifier les autres types cellulaires, notamment les cellules immunitaires qui sont beaucoup plus petites, hein, et essayer de, voilà, de regarder les contacts entre ces différentes cellules, parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que la réponse au traitement, une sorte de traitement d'immunothérapie, va impliquer les systèmes immunitaires. Et là, c'est une expérience un peu preuve de concept qui montre qu'on va pouvoir retrouver ce qu'on connaît in vivo dans un système bien contrôlé ex vivo. Donc, en particulier, dans le papier, nos collaborateurs, ils ont bien montré effectivement qu'il y avait... que le traitement, ici le traitement tout en bas, est effectivement efficace pour tuer les cellules cancéreuses, ce qui est le but, mais pour ceci, il va lui falloir absolument d'avoir les cellules immunitaires, parce que c'est un système qui va utiliser en fait les cellules immunitaires. Et puis on voit qu'il y a un effet plus subtil sur le troisième type cellulaire, le CAF, qui en fait décroît l'efficacité du traitement. Donc vous avez des interactions assez complexes entre les différentes variables et cellules. Et donc, notre idée, c'est de prendre ces données et pas regarder juste trois variables comme c'était fait dans la publication initiale, mais en fait, de prendre toutes les variables observées qu'on peut extraire de ces vidéos essayer de reconstruire des réseaux lagués dans le temps. Ici avec deux conditions expérimentales, donc la présence ou non de ces CAF et la présence ou non d'un traitement. Donc on peut aussi dans nos réseaux introduire, donc les variables sont des variables observées, comme on l'a dit, mais on peut aussi avoir des variables qu'on appelle contextuelles, pardon, qui sont en gros des variables de conditions expérimentales qu'on peut rajouter dans nos réseaux. Donc ici, on a en fait 36 trajectoires de cellules cancéreuses avec leur environnement observées sur 2 jours, toutes les 2 minutes. Ça nous donne près de 50 000 images et on va reconstruire un réseau
en faisant en fait glisser une fenêtre sur ces trajectoires avec une fenêtre qui contient à peu près 2 temps de relaxation des variables lentes, on va dire. Donc le réseau global, il a un peu cette tête avec le temps qui coule de gauche à droite. C'est un réseau complètement périodique par hypothèse. On va faire l'hypothèse ici qu'on a des données stationnaires, donc le réseau doit être périodique, donc c'est imposé en quelque sorte, mais ça nous aide beaucoup évidemment à le reconstruire. Et puis on a 2 variables contextuelles, le traitement, la présence d'autres matières cellulaires. Bon, ce graphe-là, évidemment, il est un peu compliqué à regarder. Donc, on peut regarder un graphe summary où finalement les lags entre les arêtes sont écrites sur les arêtes. Et donc, vous voyez, donc on peut avoir plusieurs arêtes évidemment entre différentes variables, comme par exemple ici entre la division cellulaire et l'excentricité cellule. Donc, à court terme, donc sans lag particulier, il y a effectivement une relation positive. Donc au moment où la cellule se divise, évidemment, elle devient très excentrique. Par contre, ce qui est assez remarquable, c'est que sur des temps plus longs, la relation est inverse en fait. Donc il y a une variable, il y a une cause commune qui explique que il va y avoir une duplication, une division cellulaire. Et au moment de la préparation de la division cellulaire, la cellule en fait devient très ronde, contrairement à ce qui lui arrive au moment de la division cellulaire. Donc ça, c'est des choses connues, mais qu'on peut retrouver. Donc on voit que ces approches sont capables d'extraire ce genre d'informations des données. Et puis bon, toutes les données en fait connues dans la littérature sur l'effet des traitements ou la présence de CAF, on les retrouve. Et en fait, même on en trouve des nouvelles. Il y en a eu certaines qui étaient attendues mais qui n'avaient jamais été vraiment prouvées, comme par exemple le fait que la présence des CAF va réduire la mort cellulaire. Ça semble effectivement un effet direct, alors que le traitement, lui, augmente la mort cellulaire. Mais le traitement, comme on le voit, il a aussi une action sur la division cellulaire, sur les trajectoires. On voit aussi que les CAF, par exemple, vont augmenter la distance nette parcourue par les cellules cancéreuses. Et ça, en fait, c'est relativement attendu, parce que les CAF sont en fait des cellules qui vont tisser une espèce de réseau de rails autour dans l'environnement de la tumeur. Et les cellules cancéreuses, en fait, sont connues pour pouvoir se déplacer sur ces rails. Donc, c'est ce qu'on peut repérer même dans ce système complètement artificiel. Voilà, bon, ça, c'est ce qu'on voit dans le type de données. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je vais dépasser un petit peu le temps et je m'en excuse. Et je suis tout prêt pour vos questions. Juste avant, je voudrais remercier les étudiants et les postdocs qui ont travaillé avec moi sur ces différents aspects, notamment Vincent Cabelli et Franck Simon sur les aspects temporels et tous les autres pour l'ensemble de leur travail. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Hervé. Alors, les questions?